non, on peut pas faire le film de Super Craig avant la série de l'homme cerf-volant sur Netflix, les mecs. Ça n'a aucun sens. Alors, si on introduisait Super Craig dans le deuxième film de Kuhn et sa bande? Ça ferait vraiment DC Comics, je pense pas, non. Ah, Trouduc, ah, tiens, assieds-toi. Désolé, les mecs, vous pouvez me laisser seul avec Trouduc. Bien sûr, allez, viens, Quicky. Je te suis, le moustique. Vas-y, on s'assoit. Trouduc, je voulais que tu saches qu'on a décidé de te laisser avoir ta propre série Netflix juste après la mini-série de Quicky sur la Fox et le troisième film du Kuhn et sa bande. Félicitations. Merci, ça bon, fait plaisir. Allez, file terminer tes tâches. Je voulais juste t'annoncer la bonne nouvelle. Tu veux quoi, le nouveau? Je t'ai dit que tu pouvais choisir une seconde classe. La récré est terminée. Oh non, et non, tu peux pas avoir trois classes. Le nouveau... Ne me fais pas ces yeux de chabattu, le nouveau. On n'a jamais vu personne cumuler trois classes. Ah, tu crois peut-être que tu as droit à la compassion du monde entier parce que ton père a sauté ta mère? Désolé, je voulais pas mettre ça sur le tapis. Bon, d'accord. Si tu devais avoir une classe de plus, ce serait laquelle? Yeah, putain. On va avoir encore une classe, c'est un truc de fou. Assassin. L'assassin se spécialise dans les attaques. As du gadget. Non, parce qu'on a déjà pas mal de trucs comme ça. Je prendrais peut-être cyborg. Un cyborg avec un cœur d'acier et des couilles d'être humain. Sélectionné. Let's go! Ok, mais du coup, il va falloir revoir tes origines. C'est ballot. Reprenons depuis le début. À l'époque où tu étais encore enfant. Cette nuit-là, tu n'arrives pas à dormir, car tu vois d'étranges lumières traverser le ciel. Tu t'approches du miroir. Et dans ce miroir, tu vois un enfant qui n'est peut-être pas de ce monde. Et c'est là que tu l'entends. D'étranges sons extraterrestres en provenance du couloir. Mais... que se passe-t-il? Attends, tu aperçois deux intrus et un extraterrestre chez toi. Tu dois les arrêter, alors tu fais appel à tes nouveaux pouvoirs. L'adrénaline envahit tes membres cybernétiques et tu te focalises sur ton objectif premier, protéger l'alien perdu qui, Dieu sait comment, vit dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fabriques ici, petit? Mais les intrus ignoraient que tu n'étais pas n'importe quel gamin, que des améliorations cybernétiques t'avaient doté de capacités stupéfiantes. Tu as fait la preuve de la première de ces capacités sur ta victime. Eh, hey, t'as pas le droit de le repousser comme ça. Ouais, c'est quoi ça? Eh, hey, attends. La charge que tu as envoyée au premier a sauté sur ses alliés, causant des dégâts à tous. Mais il te reste beaucoup d'atouts cybernétiques dans la manche. Excellent. Bon, vas-y, lance le programme. Vas-y, j'ai trop la rage là. Bon, il faut bien que quelqu'un se charge de cet emmerdeur. L'intrus te balance un pain, mais ton blocage absorbe les dégâts. Je suis furieux, là. Les truands tentaient de rester à distance, mais ils ne s'attendaient pas à ton prochain pouvoir. Mais c'est trop stylé! Oh, mais comment ça fonctionne, les aimants? Le dernier des ennemis fonce sur toi. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Oh, mec, trop de la balle. Oh damn. C'est plus une machine qu'un humain. Elle est violente, cette classe. L'extraterrestre te prend par la main et t'emmène dans une pièce obscure. Et c'est alors que tu vois que ton père vient juste de baiser ta mère. Wow, putain, c'est révoltant, le nouveau. Je suis mal pour toi. Est-ce que les extraterrestres t'aidaient en te montrant qui avait baisé ta mère ou essayaient-ils de t'emplir de rage? Tu ne le sauras peut-être jamais. Bon, retourne là-bas, Trouduc. T'as encore un tas de trucs à faire. Pouloulou. Du coup, on va vite se changer des pouvoirs parce que là... sont grave stylés. Lequel on retire? Voilà, je vais garder ça. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et on va changer. Et du coup, on va mettre cette technique. Enfin, celle-là. Ce qui est bien avec celle-là, c'est toute la zone. Alors que celle-là, c'est juste... c'est juste une ligne, quoi. Mais elle fait quand même 207 de dégâts.
Ouais, vas-y, on va essayer le nouveau pouvoir du coup. Nouveau, ici Quickie. Va au terrain de jeu. Un des potes de la liberté nous a appelé. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Tu es sûr qu'un des potes de la liberté veut nous rencontrer? Dans son texto, il disait que c'était très urgent. Ouais, mais pourquoi les potes de la liberté veulent nous parler? À moins que ce soit une sorte de piège. Du calme, les gars. Je suis pas venu pour me battre. Salut, boîte à outils. Ça faisait longtemps. Boîte à outils est un archétype visionnaire de classe As du gadget. Et un sale bâtard de traître. Bon, écoutez-moi. Je sais que le nouveau a aidé à s'emparer des clés de mon père hier soir. Le nouveau, je sais pas pourquoi tu cherchais mon père, mais je te dois un service. C'est ce que je suis venu te dire. Tu es peut-être dans la mauvaise franchise, mais si un jour tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Oh, tu crois que le nouveau en a quelque chose à foutre de toi? Tu fais partie d'une franchise qui ne rapporte rien et dirigée par un connard en fauteuil roulant. Au moins lui, c'est pas un putain de voleur de téléphone. Oh non, pas lui. Timmy! Vous nous traitez de loser alors que pour trouver une piste, vous devez la voler. Où est le téléphone du professeur Timothy? Désolé, mais cette info est classée secret défense. Vous devez arrêter d'enquêter sur la chambre du commerce et laisser ça aux super-héros professionnels. Ah ouais, parce que vous êtes des super-héros professionnels? Je te ferai dire, Mysterion, qu'on a déjà un contact chez Netflix. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On est sur le point de faire décoller la série Netflix d'hommes cerf-volants, alors. Non, Timmy, non, non, arrête ça. Arrête, arrête, Timmy. Il essaie de me violer le cerveau. Ils n'ont pas de contact chez Netflix. Les potes de la liberté m'ont violé le cerveau, les mecs. Faut choper ces pédophiles. Coulez sa bande, rassemblement. Potes de la liberté, ralliement. Guerre civile 2, ça va chauffer. Commencez le combat. Vous êtes Civil War. Abandonnez avant d'être humilié. Putain, j'aurais dû mettre une meilleure tenue pour un combat comme ça. On est assez loin pour les attaquer. Quoique, on peut l'attaquer lui. Prends ça, tu peux voir. Ton chiot et toi, vous allez devenir inséparables. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Bon, on ne peut rien faire. Ça te dirait un sandwich au tournevis, Kun? Ah ah! Heureusement. Tu ne feras rien du tout! Vite, 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 vite. On va taper, on va taper. Tiens, sans Mysterion. Prends ça et prends. Complète leur ami, éclate-la, trou duc. Ah dommage, on ne peut rien faire. Fin de tour. C'est parti. Fin de tour. Timmy. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Téma, mais Timmy, il est cheaté. Sauver, monsieur docteur! Combattre le docteur Timothy est une erreur qui dépasse ton entendement! Micro-agression! Frappe-le! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Redoutable comme toujours, Mysterion! Timmy! Exécution des protocoles de combat! Tu es plein de surprises, Tupperware! Ah, je pensais qu'il serait protégé, mais non, ça va. Pique et vol, pique et vol. Ça, c'est pour sacrifier, enfoiré. Du coup, là, on peut faire un petit combo si on gère bien, je pense. Ça va piquer un peu. D'abord, le coup de l'effet saigné, et ensuite, le moustique va se rassasier. Attends, ta pose casse-croûte, le moustique. Je bosse, là, moi. Wow! Tu te sers de ces outils comme un chirurgien. Tu vas souffrir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait... X, c'est pas mal. Cartman ne se bat que pour lui, le nouveau. Ultime prêt. Yes, ça va faire un petit ricochet. C'est comme si les méchants rebondissaient sur toi. Regardez-moi, regardez-moi, je vais faire quelques sauts, regardez-moi. Je peux rien faire, ce jeu est débile.
What the fuck? T'as fait pipi dans ta culotte? On a besoin d'aide là. Timmy! Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il va me le rendre confus. Ça ne s'annonce pas très bien. Prépare-toi à mourir pour rien. Aïe aïe aïe. Oh! J'ai grave dans la main. Ça un usage approprié de la force? Too power. Oh là là, on prend cher. Très impressionnant. Je suis prêt et mon pot à insectes aussi. Non! Ah, arrête de déconner, trop duc! Putain, on est un peu dans la merde. Après, c'est à qui du. Ah, ça a lui de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On se soigne ou on attaque? Vas-y, on va utiliser notre ulti. Ça touchera tout le monde au moins. Pfiou, je le sentirai demain. Il s'est enfui? Ok. Tout ça pour reculer d'une case. Ah le bâtard! Voir pas ce coup là, enflure. Faut qu'on se soigne là, on est un peu dans la mouise, j'ai envie de te dire. On va se soigner tous les années. Pendant ce temps-là, dans le hall des meilleurs super potes. Les dettes seront effacées, les esclaves libérés. Moi. Oh. Je le fais tout le temps. Putain, la guerre est rude. Mais on a des bonnes armes. À mon tour. Ouais, ça touche pas tout, ça touche pas tout. Ce qui est con. Réanime Renan, reconstitue une petite quantité de santé. Bon, tu sais quoi, on va juste attaquer et on verra plus tard. Je m'ennuie. On va jouer à autre chose. Ouais, bats-toi comme si c'était la dernière fois. Attaque Delta Gamma Vivipé. Car ouais. On a mis KO mystérieux. Bonne nuit. En vrai non. Yeah. Ils font pas si mal que ça. Ah, quoique. Tu peux pleurer, tu sais. C'est toi qui vas pleurer. On va juste essayer de gagner un tour. Hop là. Vous vous êtes fait enculer. Je suis super forte. Je vais vous montrer. Putain, je vais bientôt mourir en vrai. Pas le droit de retoucher. On va battre ces têtes de nœuds. Ouais, en fait, ils font mal. 2, 4, 6, 8. Ouais, ils peuvent faire du 100 de dégâts presque. C'est ouf. Non, c'est à nous de jouer. Ah non, c'est pas à nous de jouer encore. Too power. Laisse notre ami tranquille, toi. Il va où encore? Il va avoir droit à prélèvement de sang. Tac. Normalement, il est mort. Ça se passe exactement comme je l'avais prévu. Annonce officielle, ça va faire super mal. Là, il y a moyen qu'on fasse un petit combo. Place au trône. Bing bing. Justice a été rendue. L'heure de la justice maison a sonné. Ah, ah putain. Chaque outil a son rôle dans la lutte pour la liberté. Il me reste 12 HP quoi, c'est un truc de fou. On va juste... On peut pas... Non. Voilà, comme ça. Toi, tu joues pas. Delta est prêt pour sa série dérivée, du moins pour la télé turque. L'heure de diabète a sonné. Et diabète fait une victime d'un plus. Là, tu ne joues point. Ça va être la nuée.
T'es sérieux? Attends. Voilà, ulti de moustique. On a réussi les amis. Yeah, bien joué.